Slimane se confie sur les deux mois très passés par sa fille Esmeralda à l'hôpital, ZAPTV. Une nouvelle vie. Il y a quelques mois, Slimane est devenu papa d'une petite fille prénommée Esmeralda. Petite fille qui fait le bonheur du chanteur. Ma vie, elle ne tourne qu'autour d'elle pratiquement. A-t-il confié à Frédéric Lopé dans l'émission Un dimanche à la campagne, diffusée sur France 2. Dimanche 13 novembre. Et d'ajouter, pour le coup, toutes mes questions, tout ce que je portais avec moi pendant des années. Tout s'est envolé avec elle et Slimane assume son côté papa poule, j'essaie de ne pas la surprotéger. Mais par contre, le suramour, je n'en ai pas honte et tout ce trop plein d'amour que j'ai. Il est pour elle. Ça m'a calmé, apaisé. Mes peurs, mes inquiétudes, elles sont pour ma fille aujourd'hui. Désormais, il ne se demande plus s'il va vendre autant de disques. Slimane a chanté son titre « Des milliers de je t'aime », accompagné au piano par son ami Lucas. Devant Frédéric Lopé, Bérangère Krief et Nelson Montfort. Titre qu'il a écrit pour sa fille alors qu'elle était en soins intensifs juste après sa naissance. « Ma fille était en néonat pendant 2 mois, son cœur avait du mal à fonctionner tout seul et j'ai passé 2 mois à regarder l'écran. » A-t-il raconté avec émotion. Se souvenant, c'est très angoissant. On est très heureux. C'est le plus beau jour de notre vie, et d'un seul coup nous dit, « Ok, c'est le plus beau jour de ta vie mais en fait ça va pas et il faut s'inquiéter. » J'ai passé 2 mois à regarder si ça descendait pas, et à chaque biberon, ça descendait, Slimane a écrit cette chanson pour dire à sa fille, « T'inquiète pas. Ça va aller ma fille, tu es forte » Elle s'est battue, et après 2 mois, elle a pu sortir de l'hôpital. Pour le plus grand bonheur de son père.